Alors, je vais encore juste aborder les sols forestiers. Et on va voir où on en arrive. Ce sont donc des systèmes très intéressants. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une observation devant vous telle que celle-là? Ça, c'est au bord d'une ligne de chemin de fer, un mur de... C'est dans une petite gare en Allemagne, un mur à côté du chemin de fer qui était là pour empêcher qu'il y ait un éboulement. Et à quelques mètres en dessous du bord supérieur du mur, vous avez une sortie d'eau qui est là simplement comme drain pour qu'il n'y ait pas de l'eau qui s'accumule derrière le mur et qui provoque éventuellement un renversement du mur par effet barrage. Donc il y a un drain qui permet à l'eau de sortir. À ces niveaux-là, c'est de l'eau extrêmement pure. C'est de l'eau purifiée, elle est filtrée par toutes les strates minérales, sablonneuses, etc., qui sont dessus. C'est de l'eau pure qui sort ici, carrément comestible, potable. Et cette eau-là a laissé en dessous d'elle un cône de formation d'humus tout à fait intéressant, peuplé de plantes, peuplé de mousse, d'algues. Et tout ça, c'est extrêmement intéressant à observer. Ici, c'est une autre, quelques mètres plus loin, aussi un cône de formation de sol. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que là, vous avez l'eau qui est arrivée et toute une succession a eu lieu. Vous avez eu d'abord quelques algues, quelques lichens, peut-être aussi des champignons. Et progressivement, les premières algues ont capturé aussi des particules d'air, des particules de poussière. Mais surtout, toutes ces successions de plantes ont fait des systèmes racinaires qui ont finalement pourri ou qui n'ont pas pu se décomposer, se minéraliser complètement. Et là, vous avez progressivement de la biomasse souterraine qui a été accumulée, à la surface de laquelle vous avez toujours encore, alimenté en eau, de la mousse et des plantes annuelles. Et cette biomasse souterraine, c'est en fait du sol qui s'est formé à partir de rien. Il n'y a pas eu d'apport de sol, il n'y a pas eu d'apport de minéraux, sauf quelques poussières. C'est surtout de la biomasse organique. Si vous pouvez aller plonger là-dedans, vous aurez aussi probablement du tuf, mais beaucoup de biomasse organique. Une autre image qui illustre ça, c'est un papyrus, par exemple, en pot, et je l'ai photographié à une certaine durée. Là, c'était un pot à gauche en juillet 2015, avec, vous voyez ici, cette formation d'une espèce de stolon qui se forme en périphérie, vous connaissez sûrement cette plante, et ce pot est rempli de terre. Il n'a jamais été rempli de terre de cette manière-là. On a toujours mis de la terre à quelques centimètres en dessous du bord. Mais à un moment donné, vous avez comme une explosion de biomasse, c'est une formation de sol qui provient en fait de la plante elle-même. Elle n'a pas fait que de la partie aérienne, elle a aussi fait de la partie souterraine, elle a fait de la racine, et des racines qui se sont décomposées, qui se sont transformées en biomasse souterraine. Et là, quelques années, ça c'est en 2018 maintenant, non, en 2017, j'ai refait une photo, vous voyez l'évolution de cette partie-là, ça a continué de pousser et la partie centrale a encore augmenté de volume. Donc ce pot est vraiment devenu plus de la terre organique qu'une couronne de papyrus. Ça montre donc que par une certaine gestion des plantes, on arrive vraiment à booster la formation du sol. Quelles sont les conditions dans ce système-là? C'est probablement une plante, elle est connue, elle a besoin de beaucoup d'eau. Et là, vous avez des conditions de croissance où la matière organique est très, très peu minéralisée. Elle reste en tant que matière organique. C'est un peu le phénomène de la tourbière haute, toujours humide. Et là, vous avez de la matière organique qui s'accumule en dôme connu dans le cas des tourbières. Donc aussi, ici, vous avez le cas d'une plante qui s'auto-alimente, qui se fait son sol à partir de rien et qui accumule sa matière organique.
parce qu'on a diminué un peu la minéralisation. Et maintenant, la question est comment est-ce qu'on arrive à doser la formation de sol organique et diminuer un peu la minéralisation. Il en faut aussi la minéralisation, mais dans les bonnes proportions. Mais en tout cas, pas arriver à des sols qui sont plus que minéralisation de la matière organique et à la fin, 1,5% de matière organique, qui est beaucoup trop peu. Il faut arriver de nouveau à 5% de matière organique pour avoir des sols considérés comme étant auto-fertiles. Et voilà, le papyrus fait ça beaucoup plus. Il fait beaucoup plus que 5% de matière organique. Il a peut-être... il faudrait analyser ce sol, combien est-ce qu'il y a de terre effective là-dedans, combien est-ce qu'il y a de matière organique et combien est-ce qu'il y a de matière minérale. Et les arbres vont nous permettre de faire ça parce qu'ils font de la matière organique en surface, ils font de la matière organique souterraine, ils mettent en route les cycles de l'eau, là vous avez la possibilité d'accumuler de l'eau, mais en même temps ils vous font des sols avec de la matière organique souterraine. Là c'est intéressant, sous ces arbres vous pouvez aussi avoir des cultures, ici c'est un arbre fruitier, c'est un pommier qui a été déterré pour analyser complètement le système, il était beaucoup plus libre à l'échelon souterrain qu'à l'état aérien, parce qu'on l'a toujours taillé pour avoir une production fruitière optimale. Et là, ça peut être combiné avec des cultures. Et ces racines souterraines de cet arbre ne vont pas concurrencer forcément les cultures. Elles ont assez à faire en zone beaucoup plus profonde. Et là, ça peut être un complément avec les cultures superficielles. Donc ça, c'est l'agroforesterie. On scanne d'un arbre avec ce qu'il reste de libre encore en plus. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il permet de coloniser le sol beaucoup plus en profondeur, donc à l'eau de percoler et de remonter lorsqu'elle est nécessaire. Les sols forestiers sont très riches en matière organique. On a estimé la biomasse aérienne, le bois mort, la litière et la biomasse souterraine et la matière organique souterraine. C'est donc pas seulement la biomasse, bio-vie, la masse vivante, c'est donc les racines vivantes, mais la matière organique souterraine, c'est les racines qui sont mortes. Autant vous avez des branches mortes, des feuilles mortes chaque année de manière visible dans la biosphère aérienne, autant vous avez de la matière qui se reforme chaque année et qui va être... formée comme biomasse souterraine morte, comme matière organique morte souterraine. Et ensemble, la biomasse souterraine de 107 tonnes et de 385 tonnes, c'est 490 tonnes souterraines. La litière, on peut encore les considérer comme étant partie de cette part souterraine, puisqu'elle va faire du sol. 490, 503, et le bois mort appartient aussi au sol, finalement. 443, 441, par rapport à 383 tonnes de biomasse aérienne vivante. Donc vous avez plus de contributeurs à la formation des sols que de biomasse vivante directe. Dans un système forestier, tel qu'estimé pour la Suisse. Donc tout ça, c'est du carbone bloqué, mais c'est des cycles de formation des sols, c'est des cycles de l'eau, c'est des effets multiples qui profitent à tous nos acteurs, autant forestiers qu'agricoles. Excusez-moi, oui. Il y a une étude comme quoi en sol de semi-direct, oui. Oui, c'est ça, voilà. Par la minéralisation. Oui, oui. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre un sol forestier qui va effectivement avoir un stockage efficace et en même temps une création de croissance importante, et un sol herbacé qui en fait, même en semi-direct, va être finalement, d'après l'INRA, inefficace. Ça va Alors, appeler ça inefficace, c'est pas tout à fait juste, parce que c'est un semi-direct, il a combien de pourcents de matière organique? Il a peut-être du 5%. D'accord, mais ce n'est pas grave. Il a 5%, disons. Il est très bon système. Ils sont peut-être à ce niveau-là. Ou bien, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez chez vous? Moi, j'ai moins que ça, mais je pense qu'à l'époque, ils sont un peu moins aussi. Ah oui, c'est sûr. Ça va bien vite que ça peut faire
Mais ça dépend naturellement des endroits. Hier, on entendait parler de ce semis direct au Canada avec vraiment des matières organiques impressionnantes. Mais là, c'est clair, vous avez, si c'est que de la matière organique herbacée de plantes annuelles, ça sera du carbone rapide, ça sera facilement mobilisable, c'est pas résistant aux champignons. Et là, c'est un cycle court. Mais si c'est des sols qui sont beaucoup plus riches en matière organique, ils vont mieux stocker de l'eau, ils auront moins besoin d'irrigation. L'irrigation, ça coûte de l'énergie. Cette eau, elle est utile ailleurs. Ils auront moins besoin d'engrais. L'engrais coûte de l'énergie. Donc, du point de vue climatique, c'est quand même plus intéressant de faire du semi-direct, même s'il est minéralisé rapidement. Donc, il ne faut pas tout de suite dire que c'est inutile, puisque le carbone est entièrement relâché. C'est des sols différents. Oui, ils l'ont dit comme ça. Non, mais je suis content que vous mettiez ça dans la discussion. Mais maintenant, la composante agroforestière ou permaculturale ou la composante forestière qui peut venir s'ajouter à ça, c'est que des techniques telles que le semi-direct sous couvert puissent être enrichies. À quelle dimension, à quelle dose, il faut y réfléchir. Combien de parties de la surface va-t-on consacrer à faire de la biomasse ligneuse? Et ces ligneux vont faire du BRF, éventuellement du charbon de bois, qui sont des carbones lents. Et là, on pourrait donc initier des formations de sol complémentaires au semi-direct avec une composante ligneuse à des compositions beaucoup plus lentes. Donc là, c'est modulable. Donc c'est un peu ce que j'aimerais montrer, c'est ce que peut apporter le bois dans des systèmes déjà très efficaces, tels que le système direct, en semi-direct. Donc là, c'est vraiment une bonne question, comment est-ce qu'on peut combiner ça. Donc là, on a vraiment, avec ces ligneux, la possibilité d'avoir une biomasse souterraine énorme avec toute cette efficacité multiple. Ce qu'il faut distinguer, c'est les forêts en zone tropicale humide, en zone tempérée ou en zone subalpine ou boréale, là vous avez ce qui est incorporé dans le bois et ce qui est incorporé dans l'humus ou le sol en violet. Et ce qui est intéressant, en zone tropicale, on a beaucoup plus de biomasse active, visible, aérienne, et le sol forestier tropical est très très pauvre en biomasse. Il y a très peu de sol tropical, tout est immédiatement visible sous forme de biomasse active. On a vu avant cette image de cette forêt tropicale éponge. Elle a très très peu incorporé dans les sols. C'est des sols latéritiques, très difficiles à coloniser d'ailleurs. Par contre, une forêt en limite de forêt en altitude ou boréale a beaucoup plus de matière organique dans les sols et beaucoup moins de manière visible, parce que les réserves ont été mises en sécurité dans les sols, et de là, il y a toujours de nouveau la possibilité d'accroissement et de croissance. Et ces arbres sont enracinés très profondément et ont une couronne beaucoup plus faible. Le rapport couronne-racine est au profit des racines lorsque vous avez des zones climatiques adverses. Mais en zone désertique, c'est la même chose. Le système racinaire des plantes en zone désertique est très important, et le système exposé à la dessiccation est limité. Aussi, la surface des feuilles est limitée. C'est pour ça que vous avez beaucoup plus d'aiguilles, de plantes à aiguilles, par exemple, des épineux en zone désertique ou en zone limite, parce qu'ils essayent d'éviter au maximum la transpiration et l'évapotranspiration. Mais ils investissent le maximum dans leur système racinaire, qui est leur système de survie. Donc là, c'est des principes qu'il faut essayer de comprendre et essayer d'incorporer pour toutes les formes d'agroforesterie. On est à la fois en zone aride ou en zone très océanique ou en zone limite en température, en zone boréale ou en zone de lutte contre le désert. Partout, il faudra comprendre comment est-ce qu'on peut tenir compte de ces ligneux pour améliorer les systèmes. Mais c'est toujours une solution, en fait, qui est incorporé dans le sol. Donc ici, on est au bon endroit lorsqu'on veut parler de sol vivant. Et pour les forêts tempérées, c'est quelque chose entre tropicales et boréales.
Et voilà, là, c'est un peu la clé des ligneux comme solution, comme contribution à la solution agroforestière et de la permaculture. C'est que les ligneux apportent quelque chose de particulier, c'est la lignine dont on a parlé avant. En plus des substances phénoliques, donc on les retrouve ici, les phénols, les cires, les lignines. Là, c'est une courbe de dégradation, c'est les parts de masse totale, on part toujours pour chaque substance, disons le bois à 100% de masse, et vous avez, c'est logarithmique ici. La moitié, c'est la cellulose, 30%, c'est la lignine, ensuite, vous avez des cires, des substances phénoliques, des hémicelluloses et des sucres. Et ce qui est intéressant ici, c'est la vitesse de décomposition. C'est le temps en unité relative pour la dégradation globale. Et là, c'est les sucres rapides, c'est les sucres extractibles, c'est donc le glucose, le saccharose, les pentoses, etc., les sucres de plantes. Les hémicelluloses, c'est des sucres un peu plus macromoléculaires. La cellulose se décompose très vite. C'est donc les plantes annuelles sont plutôt de ce genre-là, contiennent peu de lignine. Certaines en contiennent un peu. Mais les plantes ligneuses, c'est la lignine, contiennent des cires, l'enduit, l'épiderme des aiguilles de résineux, ou bien aussi des feuilles de toutes les essences ligneuses comme le chêne. Les feuilles très persistantes, très résistantes, ont des cires. Et les substances de protection du bois ou de l'écorce, c'est des substances phénoliques, c'est les tanins. Et ceux-là ont une dégradation beaucoup plus lente. Donc si vous avez maintenant un mélange, un bois raméal fragmenté par exemple, issu de certaines essences ligneuses, vous aurez une part de phénol, une part de cire, une part de lignine qui va ralentir la décomposition de votre BRF. Et la cellulose est importante aussi dans ces bois. Ce n'est pas tout à fait la même chose que des bois déchiquetés matures. Il y a encore un enrichissement dans le BRF de sels minéraux, de certaines enzymes et aussi certains apports de spores, de champignons qui vont permettre une décomposition idéale mais beaucoup plus ralentie qu'une décomposition d'un compost. Et là, vous avez une solution pour avoir des humus stables dont on parlait avant, autre que simplement un couvert végétal annuel qui va apporter de la matière organique, mais facilement minéralisable. Là, c'est une minéralisation beaucoup plus ralentie. Et là, vous avez donc la formation de matières organiques très stables qui vont jusqu'à plusieurs centaines d'années, des matières organiques qui sont carrément fossilisées. Le maximum de matière organique qu'on aura, c'est lorsqu'on transforme la matière organique, ça peut même être des plantes annuelles, en charbon, en biochar, en charbon de plante. Et là, vous avez la possibilité de l'incorporer, même si c'est de la matière organique annuelle. Donc, le semer sous couvert pourrait être enrichi de charbon issu de plantes annuelles, mais il est beaucoup plus efficace lorsque c'est du charbon de bois. Bon, ça serait des solutions. Je pense qu'il y a des expérimentations dans ce sens-là concernant on pourrait réfléchir ensemble là-dessus. Le biochar, la terra preta et autres. Voilà. Concernant la gestion des arbres et des forêts, là, je vais être plus rapide. On a différents forêts, genres de gestion, mais on peut prendre l'arbre comme modèle et essayer de gérer les forêts et les arbres comme elles voudraient être gérées, c'est-à-dire en ayant tous les étages côte à côte. C'est quitter un peu, ça c'est l'apport de la foresterie naturelle, c'est quitter cette notion de monoculture, de monospécifique, et d'incorporer même dans les systèmes agroforestiers et permaculturaux la notion de plusieurs générations et plusieurs espèces qui se côtoient. C'est donc cette fertilisation transversale, ces synergies qui peuvent avoir lieu, et les forêts fonctionnent en fait de la manière suivante, où toutes les générations se côtoient, et ça, on sait gérer. C'est par exemple les forêts jardinées, les forêts naturelles gérées pied par pied, qui sont extrêmement fertiles, extrêmement efficaces et riches en espèces. On est capable de gérer des forêts de manière durable,
en prélevant régulièrement ce que le capital forestier produit comme accroissement, c'est-à-dire vous avez un certain matériel sur pied pour la forêt, c'est le terme caractéristique du métier de foresterie. Et là, vous avez un accroissement annuel qu'on peut mesurer. On peut, en principe, récolter cet accroissement annuel sur une certaine surface, soit pied par pied, soit sous forme de zone d'exploitation. Et l'entier du matériel sur pied reste quand même actif et reste ici comme composante végétale. Par exemple, une forêt peut être exploitée à raison de 10 mètres cubes par hectare et par an. Ça peut avoir lieu pied par pied sous forme de forêt jardinée et dans un massif qui a 400 mètres cubes de matériel sur pied. Donc, après 40 ans, vous avez exploité 40 fois 10 mètres cubes chaque année, mais vous avez toujours eu votre massif forestier. Si vous avez exploité la quantité de bois visible, mais sans que la forêt ne diminue ou ne disparaisse. Et c'est ce qu'on appelle le développement ou la gestion durable. C'est qu'on utilise ce que la nature fabrique régulièrement. Et c'est la notion qu'il faudrait essayer d'appliquer à l'agronomie aussi. Donc là, c'est des forêts gérées. On peut gérer la forêt de manière différente, mais on peut passer de la coupe rase qui prend l'entier et qui replante à une coupe d'abri où il y a une régénération naturelle, une coupe en lisière avec mélange, une coupe progressive qui est beaucoup plus complexe. C'est un peu le gros de la foresterie en Suisse, par exemple. C'est la coupe progressive par... par régénération naturelle, on n'a pratiquement aucune plantation lorsque c'est pour compléter, lorsque on part de plantations anciennes, ou la forêt jardinée, où c'est exploitation pied par pied d'une forêt qui se réensemence, qui se régénère naturellement entièrement. D'une foresterie schématique telle que la coupe rase à la foresterie en forêt sauvage de ce genre-là, on a une augmentation progressive de la diversité, mais aussi de la structure, tous les âges s'accompagnent. Et une forêt plantée et exploitée en coupe rase, c'est une forêt qui est exploitée ou bien plantée et implantée simplement sous forme d'un système qui vit en concurrence. C'est la même espèce, ils ont les mêmes systèmes racinaires dans le même horizon du sol, et ces arbres sont en concurrence pour l'eau, pour les substances minérales. Une forêt plantée monospécifique, c'est une forêt extrêmement stressée, en fait, si on considère ce que font les arbres. Ils sont tous en concurrence les uns contre les autres. Malheureusement. Et c'est la foresterie du futur devra se réinventer sur les expériences d'une foresterie qui passe de cette forêt uniquement basée sur le principe de la concurrence, parce que c'est des bois qui sont beaucoup moins intéressants, ça on le sait de la recherche, j'ai travaillé sur des analyses de ces bois. Ces forêts donnent des bois en volume peut-être intéressants, mais c'est des bois beaucoup plus sensibles à la dégradation, parce qu'il leur manque en général des éléments minéraux. Et l'arbre a besoin pas seulement d'éléments principaux, mais d'oligo-éléments. Il a besoin d'une biologie du sol extrêmement complexe. La forêt à une biologie extrêmement complexe du sol, et vous n'aurez pas des bois de la même qualité lorsque vous avez une biologie complètement perturbée, fonctionnant en termes de concurrence pure. Une forêt naturelle fonctionne non plus en termes de concurrence pure, c'est une forêt qui fonctionne en termes de complémentarité, mycorhize, mélange d'espèces, système racinaire à plusieurs niveaux, allocation de substances d'un arbre à l'autre, il y a des biostimulants qui ont lieu dans ces forêts et ces systèmes forestiers en synergie sont vraiment des modèles qui sont fonctionnels. On fait de la gestion forestière, ces 400 mètres cubes après 10 ans, après 40 ans, bien c'est 10 mètres cubes par année et par hectare, c'est en forêt gérée de cette manière-là. C'est pas celles-ci sont bonnes et celles-ci ne sont pas fonctionnel, c'est le contraire, surtout dans le long terme. Et là, c'est un mode de gestion forestier qu'on devrait essayer d'appliquer aux gestions
agricole en réfléchissant naturellement, on fait les tournois des cultures, mais aussi les mélanges d'espèces pour arriver à des systèmes autofertilisants. Voilà une image d'une forêt gérée en tant que forêt jardinée. Ça ressemble à un parc. On est dans un système... Ici, c'est une forêt qui fait du bien lorsqu'on s'y promène, mais c'est une forêt économiquement intéressante. Elle donne des bois bien meilleurs qu'une forêt de ce genre-là, où on n'a pas tellement envie de s'y promener. On sent que c'est relativement, moyennement intéressant d'être dans une monoculture d'épicéa ou de Douglas. Une forêt de ce genre-là a une autre qualité, aussi pour les cycles de l'eau, mais aussi pour leur fonction simplement esthétique. Et là, c'est intéressant parce que là, cette régénération naturelle se développe selon ce qui lui convient. Il y a ce qui germe ici ne germe pas là. Ce qui pousse bien là, c'est parce qu'ici, c'est mieux pour cette espèce. Et la nature prend la composition qui est la meilleure possible. Puisque le but, c'est toujours plus de fertilité, des meilleurs sols. C'est vraiment le sens de cette évolution naturelle. Voilà, pour les arbres hors forêt, les haies vives, les cordons boisés, on a toute une série de modalités. Soit vous avez des cordons boisés, vous avez des arbres qui sont en interface avec les pâturages, vous avez des taillis avec de la futaie combinée, vous avez des taillis, vous avez des buissons, vous avez des arbres individuels. Tout ça, vous pouvez l'incorporer dans le paysage. Et y incorporer surtout cette notion d'arbre qui permet à l'eau de pénétrer en profondeur, qui apporte de la biomasse souterraine et ligneuse aérienne. Les haies, vous les implantez, mais ensuite il faut les soigner, il faut les gérer. Et c'est la gestion des haies qui est intéressante. C'est pas de devoir gérer des haies, c'est pas une contrainte. C'est un produit annexe. C'est avec les haies gérées qu'on va faire du BRF, par exemple. Et qu'on aura une faune beaucoup plus riche. Les haies, maintenant, aussi une certaine intensité de contact avec les zones cultivées. Les haies ayant aussi des souches, des trognes éventuellement, qui pourrissent, qui vieillissent. Tout ça fonctionne de manière à multi-effet. Et pour la gestion, quand se forment les réserves? Quand est-ce qu'il faut couper les haies pour que ça rejette de souches correctement? Il faut savoir que les arbres ont leur formation, leur photosynthèse en été. Et vers la fin de l'été, ils vont beaucoup faire des allocations de matière de réserve dans la périphérie, dans les tiges. Et ça va être amené dans les racines. Et en hiver, vous avez le maximum de réserves dans les racines et dans le bas de la tige, et au printemps, c'est réenvoyé dans la couronne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'automne, vous avez les réserves qui ont été mises de côté en lieu sûr. Même les feuilles changent de couleur parce que certaines substances sont... Il y a une translocation de substances de la feuille jusque dans la tige. La feuille est lâchée dans la terre en ayant donné ses sucres en retour dans la tige. C'est trop précieux. Et le changement de couleur est aussi dû à ça. Donc les feuilles sont déjà légèrement transformées, et parfois facilement et parfois difficilement décomposables, parce qu'il y a eu cette translocation. Donc les substances de réserve sont mises dans les tiges. Donc lorsque vous récoltez du bois ramal fragmenté, vous le récoltez en hiver, c'est du bois chargé au maximum de réserve. Lorsque vous taillez un arbre, vous n'allez pas le... Parfois, on le taille en été, les cerisiers, mais parfois, on aime bien les tailler soit à la fin de l'automne, soit juste avant le débarrage de la végétation, parce que les réserves vont pouvoir repartir dans la croissance. Voilà, pour les taillis et les taillis sous futaie, là, c'est des systèmes de gestion qu'on connaît bien depuis la tradition ancienne. Comment élaguer un arbre correctement? Là, c'est quelque chose d'important. Ce bourrelet de formation, lorsque vous observez une branche, elle n'est pas simplement plantée dans la tige, il y a une zone amplifiée, là, une zone renforcée, un bourrelet, et c'est dans ce bourrelet que vont être
concentré beaucoup de substances de réserve, aussi entre la branche et le tronc. Vous avez une translocation de réserve entre la feuille et la tige, entre la tige et la branche, et entre la branche et le tronc, il y a chaque fois des transferts de réserve qui vont être mobilisables à un moment donné. Et entre la branche et le tronc, on a une formation particulière, ce n'est pas seulement mécaniquement intéressant, mais c'est aussi physiologiquement important parce que dans cette zone, vous aurez des cellules qui sont capables d'accumuler des réserves. Et si vous avez, à un moment donné, la branche à l'abri de la couronne, elle perd ses feuilles, il n'y a plus assez de lumière, cette branche va mourir, va se casser. Et cette branche va se casser pas très loin de cette zone-là. Et cette cassure va être recouverte par un bourrelet de recouvrement. L'arbre va se protéger lui-même contre cette cassure de branche au niveau du tronc. On observe ça sur tous les troncs. À un moment donné, une branche est cassée, mais très progressivement, le tronc se recouvre, s'enveloppe cette blessure et va finalement la faire disparaître en mesure de son accroissement. Et donc ici, vous avez intérêt à couper de manière très propre, mais sans toucher ce bourrelet de recouvrement, ce qui serait une blessure grave pour l'arbre. Vous allez couper comme ça, en maintenant ceci intact et en dessus aussi. Faire très attention, ça c'est la bonne manière. Ça c'est la mauvaise manière, vous avez blessé l'arbre et vous avez entamé une zone où il y avait des réserves. Parce que ces réserves permettent ensuite le recouvrement de la blessure. La blessure va disparaître grâce à ces réserves et le cambium ici est extrêmement actif et va être capable de recouvrir. Et si vous faites ça, c'est aussi pas très bien. Vous avez coupé votre branche trop loin par rapport au tronc. Donc ce chicot-là ne va pas se recouvrir aussi bien, va pourrir et le recouvrement se fera mal. Donc ici, vous avez inutilement laissé du matériel dont l'arbre ne sait pas quoi faire. Donc là, une gestion de la coupe, une technique de coupe très précise est très importante. Et ça, vous allez l'utiliser toujours et encore, soit quand vous avez des troncs, soit vous avez des arbres fruitiers à restructurer la couronne, soit des arbres d'ornement, il faut le faire comme ça pour éviter des blessures. Pour la cicatrisation, est-ce qu'il faut mieux tailler en été, quand l'arbre justement est dynamique, oui, ou plutôt en hiver, et du coup le laisser peut-être exposer Oui. Alors là, justement, je ne peux pas être trop schématique, parce que je sais que les fruitiers, je sais ça pour le cerisier en particulier, on aime bien le tailler juste après la récolte, en été. Et là, on dit il n'y a pas de gommose, il y a une bonne réaction. Il est encore avec les feuilles en activité et il réagit bien à ça. Je pense qu'il faut vraiment y aller arbre, essence par essence. Sinon, de manière générale, pour la gestion des haies, on l'a quand même plus fait lorsque les feuilles n'étaient pas là, étaient tombées. Et là, on a aussi... Donc les réserves qui sont en profondeur, dans les tiges, et c'est clair, c'est mieux de tailler des haies lorsqu'elles ne sont pas occupées par les oiseaux. Par exemple, les oiseaux sont actifs, surtout lorsqu'il y a des migrateurs, lorsque les haies sont en pleine effervescence, en pleine expansion. Donc là, en général, ce serait plutôt la période hivernale. Et là, j'ai déjà fait des essais exploratoire sur à quel moment de la saison et surtout à quelle phase lunaire. Et là, il y a des effets très intéressants qui sortent. Vous coupez à quelques jours de distance. Une fois, il y aura des rejets de souche, une fois, il n'y en aura pas. Là, c'était très clair pour moi, pour le hêtre en particulier. J'ai obtenu des différences. Mais il faudrait systématiser ces essais. Là, on a des champs de recherche passionnants pour les arboriculteurs, pour les gens qui font des trognes. Quand est-ce qu'il faut couper la trogne par rapport à la lune? Mais parfois, on a envie d'avoir des souches qui disparaissent aussi. Quand est-ce que je vais couper ma souche pour que cette souche s'humifie, meure carrément et fasse de l'humus, la matière organique morte. Donc, il faut connaître les lacs lunaires pour qu'il n'y ait plus de rejet de souche. Donc, tout ça, c'est des techniques qu'il faudra progressivement adopter. Voilà, ça, c'est pas bien, c'est trop loin. Ça, c'est parfait. Ça va se recouvrir correctement. Ah oui, ça c'est encore une autre manière. Procéder en deux étapes. D'abord, vous faites ça, parce qu'il y a en général une écorce qui s'arrache lorsque la branche tombe. Et la deuxième fois, il n'y a vraiment aucun dégât, parce qu'il n'y a plus qu'un ou deux kilos de branche qui va.
qui va partir. Ça, c'est pour la technique en deux étapes. Ça, c'est important aussi. Aussi un coup de scie en dessous, là, tac, c'est juste. Et puis après, en dessus, ça, on peut le faire en deux étapes. D'abord dessous et ensuite dessus. Et là, c'est propre à l'endroit même. Mais ça, c'est des petits trucs qu'on a entendu une fois, on ne l'oublie jamais. Mais on voit combien de fois que c'est fait faux, parce que la personne n'a malheureusement jamais entendu comment faire juste. Et ça, c'est valable pour des branches petites qu'on voit ou... Même pour des grandes branches, il faudrait... On va pouvoir observer ça sur nos arbres. Vous avez chaque fois quand même une différence organique, disons, à partir du tronc. Et lorsque vous devez couper une grande branche, il faut éviter que l'écorce ne s'arrache et n'aille arracher l'écorce jusqu'ici, parce qu'on a fait... On a coupé simplement de haut en bas, la branche s'est cassée et puis elle est tombée en arrachant son écorce. Il faut éviter ça. C'est aussi valable pour les toutes petites branches où des fois on voit, une fois au stade adulte, on aperçoit, c'est peut-être le bourrelet justement, qui a pris énormément d'ampleur et qui peut faire quelque chose. C'est ça. Vraiment un bourrelet qui est replié sur lui. Mm-hmm. Et on pourrait croire que ça fait un nœud plus important, une qualité de vie moins. Ah, voilà, exactement. C'est juste, c'est bien de poser cette question. À quel moment, lorsqu'on va avoir de la bille, lorsqu'on fait de l'élagage de branches vertes, et là, il y a une règle, il ne faut pas dépasser une certaine dimension. Ça dépend de la vitesse de croissance de l'arbre. Mais si vous voulez avoir une bille propre, une belle bille, il ne faut pas dépasser quelque chose comme 5 cm de diamètre pour avoir rapidement un bourrelet de recouvrement et une bille qui reste propre. Sinon, si vous attendez de couper des trop grosses branches, il faudra trop longtemps et dans le bois, vous aurez vraiment une zone perturbée. 5 cm, c'est le maximum, exactement. Ça dépend. Si c'est une essence à croissance rapide, ça peut être un peu plus, si ça pousse lentement. Mais là, ça serait vraiment pour avoir des belles billes, si on fait des élagages. On les fait en deux étapes. D'abord, avec des échelles, d'abord 4 mètres, ensuite 8 mètres, lorsque l'arbre a un diamètre de 20 cm, quelque chose comme ça, lorsqu'il supporte l'échelle. Il faut couper peut-être la moitié de la couronne vivante, on peut couper, c'est une perte pas trop forte pour l'assimilation générale, mais ça se dose, on a une technique d'élagage relativement bien élaborée. Et là aussi c'est intéressant, on fait de l'agroforesterie, on n'aimerait pas trop avoir des couronnes trop bas, à moins que ce soit pour nourrir le bétail, avoir des arbres dégagés, et là on peut savoir qu'on peut dégager relativement facilement le tronc, disons les 4 premiers mètres, et là vous avez une bille mais qui se vend sans problème en tant que bois de haute qualité parce que vous l'avez élagué dès les diamètres 10-15 cm. Vous avez toujours élagué ces billes. Et jusqu'à 4 mètres, c'est pas difficile, et après c'est fait. Et après vous avez un tronc qui n'a plus rien. À moins qu'il y ait des gourmands qu'il faut couper régulièrement. Voilà, je propose de rester là pour ce matin. Ensuite, il y aurait un élément sur la régénération naturelle et ensuite sur les apports sur la santé et les cultures. Si vous êtes d'accord, si ça ne gêne pas trop le concept, qu'on continue cet après-midi encore pour un tout petit peu d'éléments de ce genre-là. Et ensuite, puisque ce n'est pas très loin, on ira voir les arbres en tant qu'être réel.